content. J'ai vachement appris avec Patrick. Ah bah oui. Et tout dans la déconnade, donc c'était vraiment exceptionnel. On s'est bien marré. Donc je suis venu chez toi Patrick tout d'abord parce que tes vidéos m'ont plu. Ouais. Et voilà, ce stage m'a vachement appris. Je pensais pas qu'avec la Sarrazin on pouvait vraiment la mettre sous plein de formes. J'ai vraiment énormément appris. Ouais. Ça m'a ouvert vraiment ma créativité également et je tenais à te remercier pour ça. Donc du coup mon local est à Talmont, près de Royan, petit village similaire un peu au Mont-Saint-Michel un petit peu. Ouais, petit village qui a énormément de crêperies. Voilà, moi je suis venu ici pour essayer de me démarquer. Alors nous on va vraiment rester sur la crêperie classique, 5 galettes à la carte, vraiment les basiques, qualitatifs. On ouvre lundi, donc voilà la dernière ligne droite. Ouais, je suis très content. Le petit projet qui te traîne dans la tête, c'est quoi? Est-ce que ça se dessine? Est-ce que... Ça va se concrétiser sûrement. Ouais. Parce que j'ai envie. En fait, ouais. Ça me donne encore plus. Oui, en fait, ça t'a surtout pas indiqué que c'était pas un métier pour toi. Ça t'a plutôt conforté dans ce que tu avais envie de faire. J'avais commencé par stage compta et tout. Je me suis dit, oh là là, mais en fait, quand tu pratiques, c'est bien. Ouais, tout à fait. Bien, et tu vas. Ton projet, c'est d'ici à combien de temps et où? Le plus vite possible. D'accord. Donc, voilà, il faut que je trouve. Tu recherches une affaire? Oui, d'accord. Je recherche une affaire au bord de la côte, parce qu'il faut la mer aussi. Ah oui, donc c'est peut-être le moment de le dire, que toi, ce serait plutôt quel secteur? Parce qu'il peut y avoir des gens qui vont entendre la Bretagne, le Morbihan. Ouais, d'accord. Ah ouais. C'est beau. Parce que c'est une région que j'aime. Oui, puis tu la vis déjà. Ah, c'est pas loin de chez moi aussi. Oui, tout à fait. D'accord. Eh bien, bon vent à ton projet. Et puis, merci Patrick et merci beaucoup. Chacun sa route, chacun son chemin, comme on dit. Ouais. Et voilà, j'hésiterai pas à te faire suivre les annonces quand il y en a. D'accord ? Merci. Moi, je suis cuisinier métier dans un collège lycée, cuisine centrale même, parce qu'on livre des petites écoles. Ouais. Et puis voilà, une vie bien rangée, bien tranquille, et puis patatras. Voilà, un changement radical qui n'était pas prévu à la base. Ouais, ouais. Et puis voilà, il y a le moment où on tombe, et puis il y a le moment où on se relève. Ouais. Parce qu'il faut se relever. Ouais. Et puis il y a le moment où on rencontre d'autres personnes. D'accord. C'est ça la vie. Et voilà, donc on s'est rencontrés, et à ce projet-là, puis moi qui suis un peu dans la partie. Je me suis dit pourquoi pas l'accompagner un peu de côté, pas investir totalement parce que je peux pas avec pour des raisons familiales, mais l'accompagner dans ce projet. L'accompagner dans le projet. Voilà. Et ton expérience toi cuisine a apporté ton crédit là-dessus aussi. Ouais. Ça c'est important. Ouais, je pense. Et peut-être j'aurai un déclic moi peut-être plus tard pour me mettre. Et l'univers de la crêpe, la galette, ça t'était familier ou pas du tout avant? Du tout. Mais c'est pas un truc que je raffole. Quand je le ressens, c'est pas le truc que je prends. Ouais. Mais je trouve ça très intéressant par rapport à la multitude de choses qu'on peut faire avec. On peut tout associer et même au niveau business, je vois que c'est le truc qui fonctionne bien. Ouais. Mais en même temps, il y a un peu un paradoxe dans ce que tu viens de dire que quand je vais au restaurant, c'est pas le truc que je prends en premier. Oui. Alors que moi, je t'ai vu cuisiner pendant 3 jours, je t'ai vu te lancer dans les crêpes. Et bon, t'as la main, c'est clair et net, tu l'as. Pas forcément parce que tu es cuisinier, mais je pense que parce que c'est comme ça, il y a des gens qui naturellement vont très vite. Mais maintenant, c'est le fait d'avoir fait cela, est-ce que ça te génère d'autres idées par rapport à ta pensée première? Ouais, ça me génère une idée dans le fait que si je vais vraiment changer radicalement de vie, je sais où j'irai. Ah ouais. Voilà, ça, c'est porteur. Ouais, c'est porteur, en plus, bon, t'es très pédagogue. C'est vrai qu'on apprend plein de choses. Moi qui ai du métier, j'ai appris quand même plein de choses. Et j'ai apporté aussi un peu mon expérience, je pense. Ah, complètement, moi aussi, même si tu m'as apporté des trucs, partage, c'est ça. J'arrive à 41 ans, je précise, je fais plus vieux, mais j'ai 41 ans. Pas 5 ans. Et peu importe. Et ma vie, c'est jamais fini. Et on peut toujours se renouveler. Et voilà. Et l'amour est porteur. Et porteur de plein de choses. D'amour, c'est vrai. Et de nouveaux projets.